crois bien que c'est lui! Non! Pitié! Je serai désavantagé si je ne peux pas entendre les communications de la police. Je dois pirater leur station relais mobile. Rubio, quelle est ta situation? Je fume une clope sur le balcon avec Jiménez. Les types sur le balcon, ils sont peut-être mon billet d'entrée. Dossier bouclé. Le pingouin a tué Black Mask et sa gonzesse. On a trouvé les petites empreintes de cet enfoiré juste à côté des corps. Ouais, on tient le pingouin. J'aimerais bien voir comment il va s'en sortir. Des empreintes, deux cadavres. Je crois qu'il est bon pour la tôle. Ouais, sauf que la scientifique va s'en attribuer le mérite. Et c'est moi qui ai trouvé les empreintes. C'est pour ça qu'on nous envoie d'abord. On peut se servir en premier, mais on n'a pas la gloire. Moi, je suis prêt! La police pense que le pingouin a assassiné Black Mask. Mais pourquoi m'enverrait-il ici si c'était lui le tueur? Ça n'est pas logique. Je peux reconstituer la scène de crime avec l'analyseur d'indices. Ce crime a eu lieu il y a quelques jours. Le feu et l'exposition aux éléments rendent l'identification des victimes difficile. L'homme porte un masque noir, mais je ne peux pas savoir s'il s'agit bien de Roman Sionis sans analyse ADN. Je ne peux pas faire ça sur place. Je peux identifier la victime féminine grâce à ses empreintes. Tiffany Ambrose, la petite amie de Roman Sionis, ou l'une d'entre elles. Ce n'était pas un ange, c'était une délinquante. Mais rien ne semble indiquer que c'était elle la cible. L'incendie s'est déclaré à cause d'un cocktail Molotov lancé dans la pièce. C'était sans doute dans le but de détruire les preuves. La trajectoire basse de la balle suggère que le tireur pourrait être quelqu'un de la taille du pingouin. Mais les marques sur le sol indiquent que la victime a été tuée par une personne enfoncée dans un fauteuil. Cette balle provient d'un revolver. L'analyse balistique indique un angle de trajectoire bas. Le tireur pourrait être quelqu'un de la taille du pingouin. Mais la trace laissée par la poudre semble indiquer que la balle a été tirée par quelqu'un qui était allongé sur le sol. Ces empreintes correspondent à celles du pingouin, mais elles se trouvent par-dessus la suie. La police avait raison. Le pingouin était dans la pièce, mais ses empreintes indiquent qu'il est arrivé après les meurtres. S'il n'a pas tué Black Mask, alors qui? La seule chose dont je sois sûr, c'est que le tueur de Tiffany était allongé sur le sol. Pourquoi? Cette trace blanche, c'est du cirage. Celui qui a tiré sur Tiffany s'est fait traîner sur le sol. En plus des victimes, il y avait deux autres personnes dans la pièce. Le tueur de Tiffany et la personne qui a traîné le tireur. Il faudrait que je découvre d'où est parti le tir qui a tué l'homme. Ici, l'ADN n'appartient à aucune des victimes. À qui est-il ?
L'incendie s'est déclaré quand quelqu'un a surpris le tireur. J'ignore qui a remporté le combat. Ça peut être l'un comme l'autre. Je dois revoir l'épreuve pour tenter d'en apprendre plus sur l'intrus ou sur le tireur. L'analyse du tissu indique que l'intrus portait un costume blanc ou une veste de sport. Cet échantillon de tissu devrait m'aider à identifier l'intrus, mais je n'arrive pas à identifier le tueur de l'homme. Il y a une zone d'impact que je n'ai pas encore analysée. Cet ADN provient de la femme qui a été tuée. Le niveau d'oxydation suggère qu'il est là depuis plusieurs jours. Si j'analyse les preuves, je pourrais sans doute découvrir ce qu'elle faisait quand on l'a attaquée. Elle envoyait des messages à Roman Sionis au sujet de quelqu'un appelé le Joker. Quelqu'un a tué Black Mask, mais ce crime a eu lieu il y a plusieurs jours, alors que j'ai vu Black Mask dans la soirée. Les réponses que j'ai soulèvent d'autres questions. Qui est le Joker? Est-ce lui le tueur? Ou fait-il partie des assassins? J'ai un cadavre. Un tireur inconnu et un agresseur non identifié qui a attaqué le tireur. Je dois comparer les échantillons ADN avec ceux de la base de données nationale des criminels pour savoir qui était dans la pièce. Alfred, je dois accéder à la base de données nationale des criminels. La seule façon d'y accéder, c'est de réussir à s'introduire dans les locaux du GCPD. Alors c'est là que je vais. Monsieur, vous devez pirater leur serveur physiquement. Si vous voulez le faire, il vous faut une arme non létale très puissante. Je vous conseille de revenir ici pour prendre le détonateur à concussion. Bonne idée.